Salut mes petits Kaijin, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va vraiment extrêmement bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing, les amis. Et c'est tout simplement la figurine de Shabuzu dans Dragon Ball. Oh merde. Ah ouais. Oula, j'ai mal aux yeux à cause du flash. Donc voilà, ils ont déjà enlevé le scotch. Donc voilà. Ils ont enlevé le scotch. Donc, et aussi avec ça, j'ai eu un magnifique marque-page Another. Donc, merci à vous, Pika Edition. Voilà, c'est pour le roman. Et ils ont fait pareil pour l'attaque des titans. Voilà. Oula. Et voilà. Donc, voilà. Vous pouvez voir. Hop. Je pense que c'est plutôt pour le roman. Donc, d'abord, je vais montrer la boîte. Donc, c'est un peu logique. Donc on a le petit Shabuzu avec le magnifique paysage. Donc voilà, on a écrit Dragon Ball Z The Figure Collection. Donc je sais que cette gamme de figurines, j'ai vraiment beaucoup de cette gamme. Franchement elles sont toutes magnifiques. J'ai la Yamcha, la Moolah Trunks, la Krillin, la Vegeta Gigot Blue, la Piccolo, j'en ai vraiment pas mal. Donc voilà, et là j'ai acheté celle de Shabuzu, enfin ma mère m'a acheté, parce que là je reviens des cours et je vois, boum, que ma mère m'a acheté. Donc aujourd'hui on est mardi, mais la vidéo je sais pas quand est-ce qu'elle arrivera, peut-être elle arrivera mardi, mercredi, je sais pas, je verrai. Donc après on voit écrit Dragon Ball Z avec un petit Shabuzu sur le côté, et pareil pour ce côté, et là on voit Shabuzu de profil, et il y a écrit Dragon Ball Z. Après sur le haut, Dragon Ball Z avec le petit truc Jama, voilà. Ah oui, en haut, il y a écrit Crane King Ban Presto. Après, ouais, ça, c'est déconseillé au moins de temps en temps, je sais pas quoi. Voilà, on s'en fout un peu. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Et voilà. Le dernier, donc tous les personnages de la même gamme. Donc voilà, on a Vegeta en Super Saiyan Jin, un Shabuzu. Krillin, Yamcha, Goku, Piccolo, Moolah et Trunks, SS, Super Saiyan Jin et Tenjin. Donc voilà. Je peux pas trop voir parce que là je tombe pas en mode cette fille, donc c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, c'est pas grave, on se débrouille. Et on va commencer à ouvrir la boîte. Donc il n'y a pas de scotch, c'est parfait. Donc voilà. Avec, donc voilà, le petit code. Voilà. Et là, la lettre B. Et voilà, donc c'est le mystère pour nous, les amis. Ouh là 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 là, ça sent la figurine, là, ça sent. Ouais, j'adore faire ça. Donc voilà, on va remettre ça dans la boîte. Parce que si un jour je déménage, ça peut toujours être utile. Ouh là, oh là là. Oh, je suis en trop. Voilà la boîte, hop 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 hop, je sais pas ce que j'ai fait, mais donc voilà. Oh 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 oh, pas de ça, c'est quoi ça? Ah oh, j'ai commencé à stresser là. Et le socle, voilà, c'est pour ça que ça voulait pas tenir, parce que on avait oublié de prendre le socle, parce que s'il y avait pas de socle là, j'avais un scandale au magasin. Non, j'ai rien perdu du tout, j'allais juste. Donc voilà la boîte de Shabuzu. Voilà, voilà le petit socle, donc avec le Ban Presto Made in China 2016. Donc voilà, c'est pas une contrefaçon. Yes, et voilà, je m'en doute un peu. Le magnifique socle, donc voilà, il est vraiment magnifique. C'est pour moi, c'est la chose la plus importante dans une vidéo. Non, je plaisante. Donc voilà, le socle, donc ça va. Ils sont pas mal, mais ils sont un peu trop banals, je trouve, les socles. Et là, donc voilà. Je sais pas si vous aimez bien faire ça, mais moi j'adore faire ça, surtout quand j'étais petit. Voilà. Hop, un tapis roulant. Et la petite figurine de Shabuzu. Oh, mais elle est vraiment, quand je dis elle est petite, elle est vraiment petite. Donc voilà. C'est hallucinant comme elle est petite, j'hallucine. Oh putain, elle fait la taille du WCL. Et vous savez combien elle a coûté, les amis? 35 euros? 35 euros juste pour ça.
What the fuck? Donc voilà. Mais elle est très en fait. Mais elle est toute petite. Donc voilà. La Shaozu. Oh là 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 là. Mais elle est toute petite. Oh, j'hallucine. Je savais qu'elle était petite. Elle fait même pas la taille du Krilin. Ouh là là là. En plus, le flash m'éblouit donc. Ouais, j'arrive pas à mettre le sang. Ah. Oh, ça m'énerve. Ah bah non. Ouf. Voilà. La petite figurine de Shaozu. Donc voilà, là, le petit unboxing. Donc voilà. Le petit Shaozu. Voilà. Voilà, oh, 35 euros pour ça quand même, faut le faire, faut le faire. Donc, voilà. Je savais pas qu'elle était aussi petite, donc j'hallucine quand même. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à partager la vidéo, surtout à la commenter, ça ferait vraiment trop plaisir. Et surtout à vous abonner si c'est pas fait, parce qu'en ce moment je commence un peu à stagner, ça m'énerve. Voilà, je reste bloqué à 376, donc j'espère que vous allez faire monter ça, ça me fait vraiment plaisir, et on se reprend prochaine vidéo. Bye bye.